Bonjour et bienvenue, nouveau mode affectation vétéran New York. On m'a dit que c'était comme Tarkov, donc on va voir ça. J'ai toujours pas testé, ça vient juste de sortir. Alors, tir allié, faire attention à vos coéquipiers quand vous tirez. Je me demande si c'est 100% des dégâts, j'imagine que oui. ATH minimaliste, ATH dynamique, icône et contour réduit. Rechargement tactique, les munitions restantes dans le chargeur sont perdues lors du rechargement. Ouais, ça se veut réaliste. C'est cool, c'est cool. J'aime bien moi ce genre de jeu, genre un peu genre Call of Duty et tout ça, qui passe du côté un peu plus réaliste, genre Escape from Tarkov par exemple. J'aime beaucoup ça, parce que alors ça peut marcher avec certains jeux et d'autres non. Et je pense que Rainbow Six en fait est un bon jeu pour ça, parce qu'il se veut quand même un peu tactique, réaliste et tout ça. Donc, et la façon dont le gameplay fonctionne, je pense que ça peut très très bien marcher. Et ça va changer un peu, parce que là, les tirs alliés. Alors j'espère aussi que les grenades ça font. J'ai envie de prendre des frags, honnêtement, et les balancer sur mes coéquipiers juste pour tester. Juste pour tester. On va voir. Allez, c'est parti. C'est parti. Par contre, après, ça a l'air d'être une partie normale. Genre, c'est normal juste juste avec bah le côté vétéran, quoi. Mais ça a l'air d'être des missions normales. En critique, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Traque la fermeture à décontamination. Ah putain, en plus, c'est pas des faciles. Hein. C'est pas des. Enfin, je parle ça avec des randoms. Hein. C'est pas des faciles. Hein. C'est la fermeture et la décontamination. La décontamination, ça peut être catastrophique. Le pire, c'est quand il y a une seule personne qui trouve l'endroit où il y a les nids. Et qu'on n'est pas ensemble. Et que la personne, en fait, défonce directement le premier nid qu'elle voit. Et là, il y a tout le monde qui pop. Il y a tout plein de monstres qui pop et tout. C'est une catastrophe. Ah ouais, tiens, j'avais envie de dire. On teste le coup des grenades. Si on prenait fuse. Tant qu'on y est. Je sais pas, j'ai envie d'y aller full explosif. Vas-y, go. Ah merde, on est tous du diamant, fais chier. C'est des randoms et tout le monde a le truc diamant. Je peux pas vraiment faire le con du coup. Ah, fais chier. Je peux pas vraiment m'amuser. J'essaierai de m'amuser. On est quoi? On est au moment de la vidéo. On est jeudi. Ah bah ça va, ça sera encore là pendant le week-end. J'essaierai de faire une autre vidéo avec mes potes et on se tirera dessus. Activation des trackers. Les archéens de la zone s'entendent bien avec leur élite, ce qui compromet nos efforts d'endiguement. Tuez-en quelques-uns pour forcer l'élite à se montrer. Cadeau. Vous foutez le bordel, moi aussi je peux foutre le bordel. Ah. Ah, ça marche. Faites attention avec coéquipiers. Je vois même pas mes coéquipiers. Je vois même pas mes coéquipiers, je viens de m'en rendre compte. J'aurais pas dû commencer à tirer. Putain, c'est un coéquipier. Non, on va le finir, lui. Okay, très bien. Donc, mes grenades peuvent faire mal aux coéquipiers, l'habilité de fuse. Ah, je peux pas utiliser des grenades pour me les enlever. Les mecs, vous êtes. Oh mon dieu, ils sont tous là. Ok. Si vous activez la séquence de SAS, vous pourrez plus retourner dans cette sous-zone. Je vois rien du tout. Je vois strict. On a plus de HUD, on a plus rien. On a plus de balles aussi. Ça, c'est un allié. J'ai
faudrait vraiment qu'on le finisse. Yes, GG. Menace neutralisée. Je pense pas que ce truc puisse communiquer une fois mort. Enfin, moi je dis ça. Ça fait pas mal le... Ok. La vie est... Ah oui, les objets, tout, les boîtes, on les voit pas. À travers les murs. Je passe. C'est marrant. Il est où le troisième? Bah il est où le troisième? Ah ou? Ah la blague. C'est pas grave, je suis dans le sas. Waouh! Bah c'était fun. Bah c'était fun. Bah c'était fun. C'est moi qui tue le dernier élite et c'est eux qui s'énervent. Je pense que les deux étaient ensemble en fait, c'est pour ça, c'est ce qui s'est passé. C'est que les deux étaient ensemble. Après, j'ai balancé des... mes grenades. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont peut-être pas aimé. Mais je pense pas avoir mis quelqu'un à terre, par contre. Par contre, la sortie, elle doit être là-bas. Ou peut-être pas. Non, ah, non, 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 elle est de l'autre côté, elle est de l'autre côté. Ah, oh, faut connaître les maps et tout. Et après ils avaient dit qu'aussi qu'on garde pas les munitions. Alors on fait voir un peu. Genre 100, 50. Ok. Ouais, on en perd 50, ça marche. Ah, les mecs ils ont tiré en fait pour se faire exclure. Ah, je viens de capter. Genre comme ça ils ont pas besoin de... Ils perdent pas le personnage je crois. Ah. Bah ça va être marrant ce mode, dis-moi. Ça va être marrant ce mode. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, je crois, parce que... Bon, après, là, ils sont fait déco. Enfin, ils ont été virés, quoi. C'est comme s'ils étaient déco, c'est pas comme s'ils étaient perdus. Enfin, je pense pas, en tout cas. Est-ce qu'il y a écrit... dégâts alliés, ou un truc comme ça? Oh, il y a même pas mes stats. Genre, j'ai tué des... J'ai tué les élites et tout, y a rien du tout. Ok. C'était fun. Ok, on a trouvé une nouvelle partie. Décontamination, biopsie et le marquage. Ça va. J'ai peut-être envie de prendre Vigil, parce que j'ai commencé un peu à jouer avec lui. Pourquoi pas Vigil, peut-être, je sais pas. Je sais toujours pas, hein, pour les autres là, est-ce que c'était... Ils voulaient faire du troll ou alors ils voulaient quitter... Enfin dans le jeu après c'est facile de quitter. S'ils étaient ensemble, ils ont juste à aller sur la plateforme et quitter. Donc je sais pas vraiment. Mais ouais, c'était marrant. Ah, ça fait passer le temps. Doc, Smoke... on va être vigile. Ah, j'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester ça un peu. Attends, qu'est-ce qu'on avait comme surlance? Décontamination, biopsie. Peut-être pas très très bon d'y aller avec des grenades, mais bon, pour les nids, c'est quand même pratique si jamais c'est... les gens sont lents en fait à détruire les nids, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir. Je devrais prendre Rook en fait, honnêtement. Je devrais prendre Rook pour les gilets pare-balles et pour les risques de comment dire qu'eux. Activation des trackers. Les
Les données de cartographie des nids indiquent la présence de nids anormaux. Trouvez-les. Du coup, le fusil à pompe, il doit faire méga mal pour les alliés. Je crois qu'il doit être... truc au-dessus. Ah, mais j'ai même plus mon icône d'habilité, en fait. Un truc faudrait que je teste, je sais pas si... si genre je peux tirer sur un ennemi. Et en backstab, hein, vous voyez, genre à la... Oh. Non, c'est bon, on est. Camouflage activé. Là, y'a personne. Cible éliminée. Ça s'arrête là pour toi. Et merde. Gros, tu m'aides. T'es parti où, gros? Gros. Il est où? Il est où, mon allié? Ah, putain. Bon, bah, merde. On va ouvrir le sas. Voir s'il y a quelqu'un. Activation. Ne localisez pas l'objectif. Utilisez un dispositif de reconnaissance. Ils ne verront jamais arriver. La menace est neutralisée. Très bien. Ah oui, j'ai 14 de grenades, ça va. Oh merde, faut pas que je recharge mon pistolet, merde. Faut y aller. L'habitude. Localiser les nids. Oui, mais localiser les nids, je les vois pas du coup. Ça va aller. Okay. Ça c'est à moi. Il y avait un truc, je crois, qui a fait gros. Les actes comptent plus que les mots. Ok, on est bon. Rechargement. Oh, c'est pas mal. C'est... Merde, on ne charge pas. Ah mais du coup avec mon fusil à pompe ça va, ça passe bien. Merde. Ça passe bien le fait pour les cartouches. J'en ai que deux de toute façon. Ah les mecs. Ils doivent être à gauche. Ça va, je suis là. J'arrive. Les actes comptent plus que les mots. On va où? Tout le monde qui suit sont là, les gens à se dire putain, on va où les mecs? On se voit pas à travers les murs, c'est horrible. Camouflage déchargé. C'est marrant, ça j'aime bien, c'est marrant. Bon, au moins l'équipe elle est bonne. Ils ont pas alerté toute la planète. Ah, ok, là-bas, allez. On y va, j'arrive. C'est bon, vous avez trouvé les nids. Ah yeah, ça gère. Un néoplasme nocif entraîne des mutations chez les nids. Détruisez ces nids et prélevez un échantillon du néoplasme. Pas mal. Moi je peux descendre si vous voulez. Ah, j'aurais pas dû casser avec mon laser, c'est vrai que ça me retire l'invisibilité. Ok, prêt. Ready. Mais du coup, il est où l'autre? Il est là. Faut. Tu remontes? Ok, tu remontes. Oh mon dieu, ça te prend. C'est ça. Détruisez les nids anormaux. Ah, tu et peux. Va s'ouvrir. Mon dieu, ok, j'ai pas l'habitude avec ce fusil à pompe.
là-bas. Utilisez votre lame réac pour prendre un échantillon de la source. Je suis pas l'habitude avec le fusil à pompe. J'ai l'impression que ça recharge même pas automatiquement quand le chargeur est vide. Merde, je l'ai fini ou pas? Belle utilisation de la lame réacte. Bon bah, let's go. Le truc c'est par là-bas, les mecs. Enfin, j'ai envie de vous dire, je crois. Activation de l'ERC. Je crois que c'est par là-bas. J'en ai... je m'en rappelle plus. Ouais, oui, je crois que c'est là-bas. Mon ERC est déchargé. C'est à droite. Je crois. C'est à droite? Ouais, c'est à droite. Tech React dispo. Par contre, ça me montrait combien de grenades j'avais quand je suis devant une boîte. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des boîtes genre par réflexe en disant « Ah bah tiens, j'ai pas... » Je sais pas combien j'ai de munitions, je vais les prendre et tout ça. Ah, le fusil est sympa. Fait très mal quand même, fait très très mal. Nos scientifiques pensent avoir une piste, mais il leur faut plus d'échantillons. Tout ce que je sais, c'est que votre cible est toute proche. Neutralisez votre cible avec une élimination furtive. Il faut mon truc. 10 secondes. Il est pas là, non, il est là. C'est là, on doit faire quoi, ouais. Biopsie, donc c'est mon boulot. Les actes comptent plus que les mots. Prépare pour toi. Cible éliminée. Continuez. Bien, on a plus que 12 balles. Ouais, les frags, c'était une mauvaise idée, honnêtement, de mettre des de prendre des frags. On va peut-être monter. C'est quoi ça? Attaquer ma cible. Alpha. On annule l'ordre en cours. C'est un alpha. Venez les mecs. Activation de l'ERC. S'il faut le faire, faut le faire. Non mais c'est moi qui lead. Non mais les, et les mecs, je connais pas moi, je suis noobie moi. Je sais pas où on va. Mon camouflage est déchargé. Mec, ils me suivent quoi. En plus je vais où il y a l'alpha quoi. C'est complètement con. Pala, mais genre ils me suivent et tout. Merde, putain, je suis le leader du groupe quoi. Camouflage déchargé. Je recharge. C'est quoi ce bruit? C'est pour me dire que j'ai plus trop de balles, c'est ça? Bon, il est où ce con de... d'élite là? Ils m'ont perdu. Éliminez-le avec votre lame réacte. Oh. Oh, tu es pas là. Ma cible est prioritaire. Ne tenez pas compte de l'ordre. Les actes comptent plus que les mots.
Bon les gars, je vais y aller solo. Activation de l'ERC. Descends pas saloperie. Ne l'abattez pas tout de suite. Prélevez d'abord un échantillon. Parfait, continuez. Donc ça, ça se passe bien. Ouais, mais t'es sérieux là, comme quoi je suis leader de l'équipe. Ouais, bah ça a du sens en fait, parce que je peux être invisible en fait. Et je peux rendre tout le monde invisible, surtout ça. Et là, il y a des alphas et tout. Donc bon, oui, c'est vrai que ça a du sens. Prenez des munitions. Cool, go prendre des munes. Les go prenez des munes, les mecs. Annulé. Go prenez des munes. Là on vient de là. Je sais pas où aller moi. J'essaye de cartographier l'endroit mais... Ça c'est pour les chaps. Personne a des grenades scan, des trucs comme ça. Merde. Les actes comptent plus que les mots. Je crois qu'on est bon. Non, ok. Bien joué. Bah, au moins on n'aura pas d'alpha. Il s'est pas déclenché, il y a du monde. Camouflage activé. Éliminez ma cible. Voilà. Activation de l'ERC. Surcharge. Bon, au moins on est tranquille. Au moins il n'y a plus les alphas. Ok, le fusil est vachement bien. C'est vrai qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts. J'essaye de me repérer. Putain, j'ai perdu 6 balles. 16 balles à faire ça. J'essaye de me repérer avec les portes qui sont fermées. Genre, je me dis, ah tiens, je suis pas allé là. Ah là-bas. J'ai un mec devant. Les actes conclus. Bien joué. J'ai fait le con, j'aurais dû bouger au lieu de rester. Recharge. Oh reculez. Ah putain. Je m'a balancé ma grenade. Camouflage activé. Je m'en occupe. Oh le carnage quoi. Acquisition de tissu terminée. Bien joué. J'aurais pu le backstab. Ah oui, c'est vrai. Mais ça me fait mal quand vous me mettez des coups. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Ça me fait mal quand vous me mettez des coups de crosse. C'est merde. Ok. On fait carnage. Ça va, on est invisible, toi. Activation de l'ERC. J'ai des munitions. Concentrez-vous sur ce qui marche ou improvisez en cas de besoin. Continuez d'avancer.
Il y a un kit de soins ici. Allez, prenez le kit de soins. Il y a plus rien d'intéressant ici. J'ai même pas besoin de munitions. Il y a des munitions ici. Je vais être sympa à fond. Parce que ça ce sera pour me racheter du coup de ma grenade qui est mal passée, qui a ricoché sur le contour de la porte au lieu de passer à travers. Voilà, c'est ma faute. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, le marquage de nid, oh putain. Ah là, il faut des grenades en fait scan tout le temps, je dirais. Genre, une ou deux personnes avec des grenades scan. Il continue de changer et il faut qu'on suive son évolution. Camouflage activé. Oh putain, tout en matière. Marquez ces nids avec des auto-trackers. Qu'est-ce qu'on a là? Bien joué. Je crois qu'on en a un autre. Il y a un autre truc qui se balade. Les actes comptent plus que vous. Tracker activé. Éliminé. Tracker activé. C'est bien. Tracker à la suite déchargé. De quoi je le voyais pas? Ok, ça va. C'est quoi ça? Oh merde. Ah! Merde, j'ai loupé la deuxième cartouche. Merde! Non, recharge pas. Je fais de la merde. C'est moi qui fais du bruit en fait avec mon fusil. C'est juste ça en fait qui fout la merde. Ah, mes collègues, ils peuvent rester invisibles? Non, 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 moi je suis encore invisible, lui, non. Mais il y a un truc là. Aïe, 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 aïe. Rendez-vous à l'objectif. Faudrait que j'y aille seul, en fait. Activation de l'ERC. Ah bon, on est bon. Tracker activé. On a assez de données pour mettre à jour la situation des lits dans la zone. Cadeau. Frague lancée. Les actes comptent plus que les mots. Voilà. Recharge! Eh, il est pas mal ce truc pour les tourmenteurs, les trucs comme ça. J'avoue, faut que j'ai un peu plus l'habitude de jouer avec. Il tire des grosses balles, hein, quand même. Il tire des grosses balles. Bon, maintenant, elle est où la sortie? Non, moi c'est bon. La sortie de cette map, elle est où? Ah, je crois que c'est pas à l'extérieur. Non, je sais même plus à quelle partie de New York on est, en fait. Là, je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est là. Ok, on a terminé. Appelez l'hélico quand vous serez prêt. Ouais, mais... Ok, alors peut-être pas là.
Ah, là-bas, là-bas, ça y est, je me rage. Il y en a d'autres. Et les mecs. Oh, ça les, ça le repousse. Bon, go, go la sortie. Go la sortie, les mecs. J'ai à pied, j'ai à pied. Go la sortie. Bah voilà. Bah GG. Bah GG. Ça c'était marrant. Alors si le jeu serait tout le temps comme ça, honnêtement je pense que déjà il y aurait beaucoup moins de gens qui y joueraient. Moi j'aime bien. Moi perso j'aime bien. Il faut se réhabituer tout ça, genre si tu balances des grenades, faut vraiment que tu sois sûr de bien les balancer. C'est un peu, c'est la Tarkov, hein. C'est Escape from Tarkov quoi. Genre Vigile deviendra encore monstrueux, je pense, là c'est rang S+, parce que c'est vrai que de pas voir les ennemis et tout ça, de pas se voir en plus les uns les autres, ça aussi, il faudrait genre, qu'il y ait toujours un leader et des gens qui suivent, vous voyez ce que je veux dire? Genre on peut pas se séparer vraiment dans la carte, sauf si on parle bien sûr, si on communique. Il faudrait que des gens utilisent des grenades scan, faudrait que, enfin genre souvent, plus souvent, genre quasi presque tout le temps, genre faudrait tout le temps peut-être avoir une personne avec des grenades scan à la limite, ça pourrait aider, parce qu'on voit pas le HUD et tout. Ouais non, ça serait monstrueux quand même, ça serait monstrueux pour ce type de jeu, ça serait vraiment pas mal, ça serait vraiment intéressant. Mais c'était cool, c'était cool. Le fusil, j'aime bien. C'est la première fois que je l'utilisais, hein, de toute première fois. Donc, 125 de dégâts par balle. C'est une balle, en fait, qui tire, c'est pas une cartouche, évidemment. En plus, longue portée, c'est vrai qu'il est très très longue portée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait reculer. J'ai vu ça. Ils peuvent se tenir en fait. On a vu que le tourmenteur, il a été complètement en fait repoussé et ça l'a empêché de faire son cri. Si j'ai bien suivi l'action, hein. C'est un moment on a tiré dessus, ça l'a pas tué, mais il a été repoussé et il a pas crié. Donc ça peut être pas mal. Donc même en ouais, même en silencieux, ça peut être bien. Genre quand des gens ont tous des silencieux, on tire tous sur le tourmenteur en même temps. Parce que la plupart du temps, moi j'ai une arme non silencieuse en fait en principal. Exprès pour des moments comme ça, genre par exemple tourmenteur, bam bam bam, je vide la moitié du char. Bon, les gens arrivent après, bon, je m'en vais du coup, hein. Mais on va dire que ça aide pour vite les tuer, ou alors il faudrait de l'incapacitant, des trucs comme ça, mais quand j'en ai pas, je fais ça moi. Et j'avoue que là, le fusil comme ça, ouais. Après, en silencieux, ça peut passer aussi. 75 de dégâts. J'ai envie de dire que c'est pas rien. Je sais pas. J'aime bien. J'aime bien. Bon, en tout cas, c'était l'affectation vétéran. C'est chaud. Bon, au début, on a eu un petit troll, j'imagine. Je pense. En plus, c'était des gens diamants. Ils ont fait les deux la même chose et tout ça. Après, est-ce que c'était drôle? Bof. Au final, bof. Ils auraient dû faire ça, genre, à la fin. Ouais, genre, à la fin. Sur la zone d'extraction. Moi, si j'aurais fait un vrai troll, honnêtement, de ça, j'aurais fait ça à l'extraction, en fait. Genre, par exemple, le random qui est avec moi, et moi, je suis avec un pote, par exemple. Le random, il va sûrement demander l'extraction, et avec mon pote, on aurait mis deux tourelles, et on lui aurait tiré dessus, on le laisse par terre. S'il est sur la plateforme, même s'il meurt, le perso, en fait, s'extrait. Et puis après, de toute façon, une fois qu'il est à terre, genre qu'il est dans le rouge, en état critique, vous appelez l'extraction, comme ça tout le monde s'échappe. Donc lui, il a quand même les points. Ça c'est bien, ça c'est un troll, ça serait un troll intéressant, genre et tout, les gens ont fait les trois missions et tout ça, ils sont là, oh putain, on va mourir, et les gens m'ont tiré dessus, je suis à terre et tout, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ce que je veux dire? Là ça peut être marrant. Bon là après les autres, ils l'ont fait au tout début, ouais, c'était bof au final.
Enfin bref. Par contre, les gens se font kick automatiquement dans le jeu. Je connaissais pas ça. Je savais pas ça. Donc je crois que ça doit être pareil dans Siège. Les gens se font kick automatiquement si jamais ils tirent sur les alliés, de ce que j'ai compris. Confirmez-le-moi, pardon, dans les commentaires, si vous pouvez. Mais ouais, c'est automatique, y a pas de... J'ai jamais vu d'option, quoi que ce soit. Mais ouais, ce mode est marrant. Ce mode est marrant. J'aime bien. Ce mode est plutôt drôle, j'aime bien. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup, à la prochaine, ciao.